c'est incroyable. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on y avait pensé, on y avait rêvé. Et puis le fait de jouer là devant tout le public, c'est juste incroyable. Donc voilà, beaucoup de plaisir. Et j'espère qu'on en a donné aux supporters. Que globalement, on a fait quand même un match solide et on s'est donné l'opportunité de jamais trembler. Quoi. Donc voilà, on a fait des erreurs. Il va falloir travailler pour la prochaine étape, mais globalement, on est quand même satisfait. On essaye de trouver des automatismes et on les travaille vraiment réellement en match. Donc c'était important, je pense, de les tester aussi à conditions réelles et de voir comment ça peut fonctionner. On a un gros col à passer, voilà, on sait ce qui nous attend, mais je pense que le groupe est conscient que la marche est dure, mais on est excité et en tout cas, on va tout donner pour faire le meilleur match possible. Devant toute ma famille qui avait fait le déplacement, c'est un souvenir qui restera gravé à l'image de la rentrée où tout le public bordelais m'a acclamé. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur et j'ai profité énormément de ces 20 minutes qui ont été longues et voilà, j'étais content de fouler de la pelouse. On savait que l'équipe de la Géorgie allait nous proposer un peu comme l'Argentine la semaine dernière, du combat dans les recs. Voilà, une énorme agressivité défensive. Voilà, on a essayé de mettre en place le système qu'on avait voulu mettre en place. On a réussi par moment, mais voilà, si je pense qu'en première mi-temps on marque un ou deux essais de plus, je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus facilement. Et après, voilà, la deuxième mi-temps, on a essayé de produire du jeu, de les mettre à mal, ils ont craqué physiquement et le résultat il est plus que positif, même s'il y a toujours des approximations, mais c'est un très bon lancement de jeu pour la semaine prochaine qui va être un énorme combat. C'était prévu comme un gros match contre une équipe de Géorgie qui nous connaît bien, joue un peu tous dans nos clubs en France, donc ouais, fallait répondre présent dans le combat et ce qu'on a fait. Par moments, ça a été compliqué, mais on a toujours relevé la tête, donc c'est bien. On s'est préparé pour rentrer assez tôt. Et voilà, quoi, fallait rentrer et répondre présent. Par moments, il y a l'avoir des temps faibles pour nous, parce que les remplaçants aussi, de leur côté, ils avaient envie d'apporter quelque chose. Et on a fait ce qu'il fallait, donc on est content. Ça va passer vite la semaine, il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Vu qu'on a joué dimanche, on enchaîne samedi. Il n'y aura pas beaucoup d'entraînement, il faut swiper direct sur ce prochain match.